Bonjour, pour débuter cette oraison, nous pouvons nous mettre à genoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières. Donnez-nous la grâce de pénétrer plus intimement ce que vous nous avez révélé. Donnez-nous la grâce de la prière. Donnez-nous la grâce d'expérimenter un moment avec vous. Nous pouvons penser à l'un de nos péchés. Et en demander pardon au Seigneur. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Nous pouvons prendre une position, une autre position si nous le voulons. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Merci pour votre amour, Seigneur. Vous avez vu l'homme dans son péché, incapable de se sauver. Vous êtes descendu du ciel pour nous sauver, pour mourir sur la croix. Merci Seigneur Jésus.
Jésus. Vous qui avez été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, apprenez-moi à obéir à la volonté du Père. Suivre sa volonté, à aimer cette volonté. Je sais que vous êtes bon, ô mon Dieu, que vous êtes l'amour. Et pourtant, je crains de me livrer entièrement à vous. Donnez-moi la grâce de me livrer entièrement à vous, Seigneur. Dieu, donnez-moi la force de revenir vers vous après chaque distraction, à chaque fois que je m'aperçois que je suis distrait.
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Oui, Seigneur Jésus, je crois que vous êtes vraiment Dieu et que vous êtes vraiment homme. Que vous êtes Dieu venu dans le monde. Vous avez connu nos peines, à travers vos peines, Seigneur. Je peux comprendre que mes propres peines doivent avoir un sens, même si je ne le vois pas. Donne toutes mes peines, Seigneur.
Vous avez connu aussi nos joies, Seigneur. En vous faisant homme, nos joies prennent un sens dans l'histoire du salut à travers les vôtres. Les joies simples d'être réunis autour de la table, autour d'un bon repas, comme vous avec vos apôtres. Les joies de la famille avec Saint Joseph et la Vierge Marie. Terminer cette oraison, nous pouvons nous mettre à genoux. Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir permis de passer ce moment avec vous. Je vous remercie pour toutes les grâces dont vous m'avez fait don durant cette oraison. Merci Seigneur
de vous abaisser jusqu'à votre serviteur. Et permettez-moi de vous garder dans mes pensées régulièrement durant cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.